Salut à tous et bienvenue dans ce 16e épisode du Let's Play sur Pokémon Crystal Bleu. Épisode après une séance de fou où je me suis explosé les cuisses et mes tout petits mollets. Je suis complètement HS mais on va essayer d'avancer. De toute façon, c'est pas moi qui marche, c'est elle. Tout à l'heure, nous étions dans l'arène, il me semble. On va retourner vite fait dans l'arène. Toutoudou. Alors, on va régler un petit peu cette histoire là, ce bordel de planche là, je ne sais pas trop ce que c'est. On a battu tous les champions, il me semble. Mes Pokémon sont soignés, ok. Il faut qu'on arrive à passer par là. Il faut qu'on déverrouille là-haut. Pour déverrouiller là-haut, il faut que je passe par là-bas. Mais non. Si, il fallait que je fasse ça en fait. Donc là, il faut que je vais vers là-haut. Maintenant, il faut que je retourne en bas. Ça, c'est fait. Alors, du coup... Du coup... Il faut qu'on monte... C'est quoi déjà qui est bloqué? C'est là. Donc il faut qu'on monte tout là-haut. Celui-là. Oh le bordel. Comment je passe par là? Oh. Mais là là le bordel. Ouais, je suis vraiment pas doué, hein. Je suis désolé. Vous imposez ça. Mais on peut pas passer à celui-là en fait. Si? Par où? J'aimerais bien accéder en fait. Je veux bien qu'elle m'écrase, mais pas de soucis, mais au moins j'y retourne. Comment je peux faire ça? Ça va me gonfler. Si je pousse ça, ça va pas faire. Là, je peux pas passer. Là non plus. C'est cette putain de planche, elle veut pas. Je sens pas là. Je
Je vais devenir dingue. Bon, ce qu'on va faire, on va pas se prendre la tête, on va reprendre. On va remettre à zéro. Toi, tu me donnes un conseil? Ah oui, il donne les faiblesses, lui, d'accord. Super sympa, le gars. Bon. Ça, il faut que je passe par là-haut. Oh, est-ce qu'on s'est entré déjà sur... Si je pousse celui-là, je peux aller pousser celui-là. Ok, on va faire ça. Ça fait travailler l'esprit quand même, hein, ces épisodes. Bon, toi t'es ouvert, tu me gonfleras plus. Ça déjà c'est fait. Après. Il faut que je pousse celui-là là-haut. Là je peux pas y accéder, il faut que je passe. Déjà 7 minutes de vidéo. Oh attention. Oh attention. Oh yeah. Bon, je vais pas m'amuser à faire ça tout le temps, je vais faire une petite sauvegarde. Hein. Les Pokémon sont frais, c'est bon. Allez, zou. Oulala, quelqu'un est en train de piller mon village sur Clash of Clans. Bon, tant pis. On verra ça après la vidéo. Alors, on a dit que c'était bon. C'est parti. Alors quoi, 3 Pokémon? Je ferai mieux. Je ferai de mon mieux pour faire honneur à mon rang. Ok, je prends le combat très au sérieux. Mais pas ta coiffure en tout cas. Elle a un peu une tête des Meditica là. D'ailleurs, ouais. C'est peut-être voulu. J'aurais peut-être pas dû mettre. Ça fait ça déjà. Ah merde. Alors là, j'ai fait l'erreur de débutant. Je vais juste voir. Allez, on va spammer la psy. Vas-y, soigne, je vais te fumer de toute façon. Même 3 PP, ça devrait jouer. Match upper. J'adore la couleur violacée du Match Hopper. C'est vraiment classe. Bon, pour l'instant, hein, ça se passe bien.
J'en ai plus chier avec les Riolu. Ouais, ça a peut-être été un peu plus chiant ça déjà. C'est quoi, c'est ténèbres ça? Je sais plus. Bon, ok. Bon bah là c'est un sans faute pour une fois. Pour une fois je me suis pas trop mal débrouillé. Heureusement qu'on met moins de temps à battre le champion qu'à y arriver parce que... Je dois admettre ma défaite, je ne suis pas de taille contre toi. Très bien, tu as gagné. Quel combat, j'ai beaucoup appris. Accepte ce badge d'arène, s'il te plaît. Ouais, enfin, je suis venu, c'est pour ça. Obtiens le badge pavé de Melina. Je ferais bien de te parler de ce badge. Grâce à ce badge officiel de la Ligue, tu pourras utiliser la capacité vol hors combat. CT60. Ok. Cool. Bon, on s'est tapé l'arène dans cet épisode. On vient d'avoir un joli badge. Luca. Hey Minette, j'ai fait tomber mon Pokédex. La team l'a trouvé, ils ne veulent pas me le rendre. J'ai vraiment besoin de toi. Bon bah il y a pire boulet que moi visiblement. Devant les hangars, viens me voir s'il te plaît. Alors je crois que oui, au nord il y a des hangars. Je me demandais ce que c'était justement. Je sais un truc, je vais voir si on pouvait faire comme le vélo cross et bondiller. Enfin sautiller parce que je vois ça. Ça va être accessible uniquement en sautant. Allez, on va voir ce qui se passe au hangar. On va aller soigner les bestioles. Donc là, c'est les hangars Yaluka, on est d'accord. Le centre Pokémon. Je me suis trompé de chemin. Bon, du coup, Kadabra, on a vraiment bien fait de le prendre. Je pense qu'avec Monsieur Mime, ça aurait pas du tout été la même. Surtout que j'ai toujours pas eu d'attaque psy avec Monsieur Mime. Allez, c'est parti. Eminette, tu peux me rendre un service? Oui, mais ça, tu me l'as déjà dit. Mais bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Ah, ça, c'est déjà le niveau au-dessus, ça. C'est plus leur petit chenipote tout moisi. Mélofé, non mais c'était sérieux. C'est moi la fille, c'est pas toi. Psy, ça fait pas. C'est pas des miracles. Hein. De toute façon, j'ai pas autre chose pour attaquer, donc on y va. Ils sont tous niveau 25. Hein. Je commence à être un peu à la traîne. Thank you.
Bon, oui, puis ce Ponyta, j'aimerais bien le faire évoluer aussi. Il faut que je trouve, que je me débrouille pour trouver une pierre plante. Quand j'ai été fouillé dans le centre commercial, j'ai regardé et ils n'en vendent pas. Et ça, c'est nul. Ce serait tellement pratique. Bon, mais le fait focus un peu le Papinox là parce que. Voilà, super, merci. Merci Mélophée. On va envoyer Merguez pour le Papinox. On va cramer de l'insecte. Ça tombe bien, c'est une très bonne source de protéines. Vas-y, rayon lune. J'aimerais bien le brûler, ce serait pratique. Tranche, ça tranche est efficace quand même. Putain, c'est une petite moufette tout à chier et. Allez, attaque de fou, furie. Putain, mais défoncez-moi ce mélophée! On va mettre qui? C'est un insecte, on va pas mettre la plante. Il a une attaque rafale psy, on va pas mettre lui. Allez. Ah, on va voir qu'est-ce qu'il a en stock. À part son Wistikram. Niveau 25 qui devrait déjà être du coup en chimpanzé en feu. Ok. Il y a du plagiat. Moi je dis. Bon, j'ai bien fait de pas viser Papinox à cause de son abri. C'est con parce que là, l'étincelle, elle aurait dû taper le prochain Pokémon. Cradopo, d'accord. Psycho, sympa ça. La Team Galaxy aura bientôt tous les Pokémon du monde à sa botte. Tous les Pokémon de l'univers. Prends ton Pokédex. Bon, j'espère qu'à terme ils ne feront pas des versions où ils partiront un peu loin, du genre il y a des Pokémon sur d'autres planètes.
ou dans des mondes parallèles. Parce que moi je trouve que là, même si c'est sympa et que ça change un peu, le délire des méga évolutions, ça a apporté un petit peu de nouveau, ok. Alors là, le principe de synergie, j'attends de voir, mais je le sens mal, quoi. Un Amphinobi qui prend la tronche de Sacha, c'est pas très... Je sais pas ce qu'il fume, mais ça a l'air d'être de la bonne, en tout cas. Donc du coup, ça c'est fait. Niveau pognon, on en est où? Minette. Avec notre joli troisième badge. Enfin bon, ça vous voyez sur le layout. Oui, donc moi j'ai regardé le pognon, j'ai même pas regardé avec ces bêtises. 16 000. On va voir, c'est peut-être des attaques sympas. Je vais me mettre petite liste de CT à côté, petite patte ici. Non. Alors, qu'est-ce qu'on nous vend? Alors la 83, comment il classe ça? 3ème génération, 4ème génération. J'ai ouvert un truc là sur sur internet. 4ème génération. Ils en ont rajouté. Toutes les autres s'arrêtaient à 50 et là ça va quand même jusque 92. Ok, donc là on a la 83. La 83 c'est don naturel. Non, ça ne m'intéresse pas. Après on a la 17. Qui est abri, ça ne m'intéresse pas. 54, fauchage. Ouais, pourquoi pas. Mais non. La 20, rune protect, m'intéresse pas. La 33, protection. Mais c'est que des attaques de merde, ça. La 16, mur lumière. Et la 70, flash. Ah, ils vendent flash. Ok. Donc non, il n'y a pas des Fatal Foudre Ultra Laser. La 38, alors la 38 c'est déflagration. Ah bah voilà, je vais peut-être l'acheter celle-là. Je vais me l'acheter d'ailleurs. Le fric, ça sert à être craqué. Le 25, Fatal Foudre, je vais la prendre aussi. Après la 14. Blizzard, on va la prendre aussi. Ouh, la 15 à air chaude, c'est quoi ça? Ultra laser. Non, ultra laser. Ultra laser, je vais pas la. Merde. Non. J'ai plus beaucoup d'argent. La 22, c'est lance-soleil. Et la 52. Exploforce. Exploforce. Lanceur rassemble ses forces et laisse les au pouvoir. Peut aussi baisser la dette de. C'est en deux temps, ça veut dire? Je pense que c'est en deux temps. Là, ça doit être des attaques en deux temps. Bon, allez, lance-soleil, c'est pas cher. Je le prends. Voilà. Peut-être des trucs à vendre au passage. Ouais, j'ai acheté quelques balles quand même. Si on tombe sur des Pokémon. Alors, des potions, ça, non. Le super bonbon, on va garder. Ça, on va garder. Ok. On n'a pas encore trouvé de pépites ou autre.
Alors du coup, Pokémon, on a tout ça, ok. Dans le sac, les attaques, on va faire le plein d'attaques. Le lance-soleil. Ponyta. Tu vois, ça va être marrant sur Ponyta. En plus, il a pas mal de... d'attaques à chier, donc je vais pouvoir... le blinder. Je crois que j'ai des flagrations à lui apprendre encore. Bon, c'est sûrement des attaques qu'ils apprennent plus tard, mais bon, au moins... comme ça c'est fait. Charge, mais ça ne sert à rien, charge. Déflagration, le petit déflagration des familles, qui fait toujours son petit effet. Non, Minou. Bon, peut-être quand il sera... De toute façon, je pense, quand il sera ma cogneur, je vais lui apprendre tout ce qui est point... point foudre, point feu, tout ça, donc... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Piège de roc. Vampipoint, beaucoup de points qui drainent l'énergie. Marsin, attraction. Tombroche. Je crois que c'est plutôt une bonne attaque, Tombroche. Ouais, patience ne va pas servir à grand chose. En fait, j'aime pas patience. Ça peut être redoutable, hein, mais sur un tank, pas. Sur un Pokémon avec si peu de PV, quoi. J'ai rien pour tanker au passage. On fait un petit peu de tri dans les attaques. Alors. Téléport à la place de choc mental. Entrave à la place de téléport. Ok. Point karaté, on va mettre frappe atlas en premier. Ok. Après Ponyta, déflagration, on va le mettre ici. Flamèche en haut. On va faire comme ça. Voilà, après. Ça me semble pas trop mal. Ça, le ball green au-dessus. Comme ça, c'est pas mal. Étincelle, le fatal foudre qui va bien. 10, ça, je pensais qu'il y avait moins de PP que ça. Mais oui, c'est vrai. J'avais l'impression que c'était un 5 PP comme déflagration. Du coup, on va pas s'engager dans une nouvelle aventure pour le moment. On a fait ce qu'on avait à faire. On a fait le taf. On a eu notre badge. Donc du coup, je vous dis à tout de suite dans un prochain épisode. À la prochaine. Bye bye.